Bon retour, mesdames et messieurs, vous êtes toujours sur Analyse, invité noir noir. À ce soir, c'est madame Stéphanie Balmire-Vildouin. On a parlé de tourisme en Haïti. Il y a un peu d'efforts qui sont faits et sans conteste, il y a un peu d'Haïtiens qui, ici aux États-Unis, c'est d'apprendre la Floride, New York, Canada, qui vantaient pour particulièrement de bels efforts qui sont faits pour un boost à ce secteur. Le développement qui a fait, c'est vrai, mais l'image d'Haïti à l'extérieur, toujours une image qui n'a pas inspiré confiance pour susciter les visiteurs à aller. Parallèlement à la campagne pour mettre une infrastructure touristique qui sera faite pour changer l'image d'Haïti à l'extérieur. Bon, c'est le résultat autre chose, ça, justement, c'est pour changer la perception. Ça. Parce que si nous voulons changer l'image pays, il faut aller vers la communauté, il faut nous parler de pays, il faut nous montrer des images positives, il faut nous gagner un TV ad, la grande chaîne et télévision aux États-Unis. Et c'est ça que nous faisons pendant 4 mois. Et nous mettons en place toute une stratégie pour nous inviter des agents de voyage et tout de la presse spécialisée qui sont presse particulière pour le secteur touristique, ça, pour les informer, pour les faire des articles plus positifs. Mais c'est sûr, Patrick, qu'on peut changer complètement l'image du jour au lendemain. Ça nous-mêmes nous dit, c'est que gagner des zones, et en Haïti, par exemple, après un coup des Arcadiens, sont zones en pleine expansion, où il y a non seulement un grand et nombre de maisons privées et dans la zone, mais tout, c'est-à-dire le real estate est très important dans la zone, mais tout gagne, jeudi, où il y a à peu près 600 chambres d'hôtel. Donc, son zone qui pour préserver, là qu'on y a, nous avons une bonne nouvelle, que nous avons réhabilité route 9, là, qui c'est route qui justement relie son route, qui relie toute zone e-power, aéroport, avec la route nationale numéro 1. Donc, son grand raccourci lié pour zone ça. Donc, et je salue le ministre PTC qui a fait un excellent travail et tout, parce que nous avons réhabilité toute route ça. Donc, et en même temps que destination, là, on a essayé de renforcer, on a essayé de mettre vraiment un connecte tout l'autre secteur qui est important pour que le secteur SACA, un secteur qui chita sous des bases structurantes. Donc, je pense qu'au niveau accès routier, c'est lui qui est plus important là, en sens. Donc, c'est sûr que nous parlons toujours gagner, même toujours parler de challenge de secteur. Ça, c'est une là-dedans, image. Même pense tout qu'avec effort, j'ai fait que nous avons fait, j'ai fait que le gouvernement a fait, que le président a fait pour toujours aller vers et dans toute conférence internationale pour parler d'Haïti. Regardez dernièrement, et nous recevoir et la CAM, qui est la grande commission des Amériques pour et le tourisme. Côté nous recevoir près de 13 ministres du tourisme des Amériques, dont le ministre de la Jamaïque, Bahamas, Cuba, le vice-ministre de la Dominicaine était là en Haïti pendant 2 jours. Et vous imaginez que le toute délégation ça a venu, nous recevoir 22 délégations sur 25, lui a reparti avec une autre image. Et c'est ça que nous voulons et promouvoir, et ce n'est pas moi-même qui était initié, le président était initié depuis longtemps, le AEC était fait en Haïti, CARICOM, tout chef d'État, ça a été venu. Et je me suis dit que la perception a changé avec toute stratégie ça que nous mettons en place. Mais alors, le point, c'est qu'il faut le continuer, il faut le continuer à changer. Et c'est là que nous voulons mettre à cause ça, contact ça avec agents de voyage, avec presse spécialisée, pour que le travail continue. Mais aussi, il y a un autre frein, l'environnement. L'environnement socio-économique et qui des fois a des conséquences de tout sur l'environnement politique là. Mais l'environnement quand même et économique et social, ça m'a donc beaucoup de balai. Non mais c'est sûr que l'environnement économique et social n'a fort que l'y améliorer. Et je pense que le secteur touristique là, son secteur très fort côté, c'est pas seulement hôtel là, que le secteur touristique là est agressé, c'est toute l'autre petite entreprise qui a construit autour de l'hôtel, un petit restaurant, un petit shop, un petit barbershop, toute entreprise ça y est, au niveau d'excursion, ça qui a fait. Donc, pêcheurs, agriculteurs, tout le monde dépend de ce secteur ça. Donc, qu'est-ce que ça nous dit nous-mêmes? C'est que, OK, ou bien des secteurs prioritaires qui a mené et revenu dans le pays hein, pour adresser le problème social pays. Hein. Nous connaissons que le président vient avec tout programme éducation pour Timounio, comment il peut le payer. Il faut que nous ayons un revenu qui prend dans le pays. Hein. Donc nous venons avec des objectifs pour nous corriger certains secteurs clés, dont le secteur touristique, et c'est le premier gouvernement qui a investi autant tout dans le secteur ça. Donc, encore une fois, c'est même aspect avec l'image. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on prend en classe moyenne. Mais il faut qu'on mette toute
ça la mettre en place et toute stratégie en place pour créer classe moyenne ça et moi vraiment pensé Patrick que li commencer à créer l'a regarder que gagne des fonds qu'on y a que ministère des finances a mettre en place pour que li ca financer les petites et moyennes entreprises c'est une belle initiative l'a regarder par exemple que et à travers de un accord que nous fait avec BRH, BPH et BNC, nous mettons un fonds pour que chauffeur taxi ait qu'à joindre des nouveaux véhicules beaucoup plus performants pour nous ca pour ca plus efficient dans l'activité touristique là et là nous lancer programme là au Cap Haïtien, il y a 21 véhicules achetés au Cap déjà et flambant neuf. Donc ces programmes ça pour on l'état mettre en place créer bay opportunité ça bay secteur qui plus défavorisé en bay des opportunités pour ka et joindre des petits prêts pour ka aller au niveau de formation professionnelle on regarde gain près de une vingtaine d'écoles professionnelles qui construit côté nous te joindre une ou deux donc tout paramètre ça c'est pour justement bay moyen bay on ta kati outil yo pour ka permettre yo pi efficace l'économie et communautaire dans l'économie paysan. Donc c'est des programmes à long terme et je président te dit ou bra le former aujourd'hui ou après résultat ou dans 30 ans mais faut que yo là et me penser que yo identifié que yo gain plusieurs programmes que faut yo ta réviser pour yo capi efficace mais programme yo là et quand même et résultat yo n'a pour yo et nécessairement et nous commencer ouais aujourd'hui. C'est ça. Madame Stéphanie, qui visite Haïti aujourd'hui? Est-ce que nous faisons évaluation de en termes de qualité touristes qui visitent Haïti? Tout à fait, m'a dit pour au niveau de statistiques yo, nous gain plus de 65% de visiteurs qui viennent de Amérique du Nord. Donc n'a parlé d'États-Unis et Canada. Ou gain à peu près 13% qui viennent de l'Europe. Mais surtout de la France, puisque nous connaissons, nous avons deux vols directs. Nous avons un vol direct à partir de la France et deuxième vol là, qui passait par Pointe-à-Pitre. Après, nous avons au niveau Caraïbes, puisque aujourd'hui, nous avons un vol à partir de Cuba, nous avons un vol Curaçao et vol et Dominicaine. Mais c'est vrai que le gros du marché était l'Amérique du Nord. Quand on est au niveau de l'Amérique du Nord, il y a plus de monde qui vient pour affaires. Donc, tu as dit que le représentait à peu près 15%. Il y a plus de monde qui vient pour rencontrer la famille. Et donc, yo dormi kay fami yo pa nécessairement dormi dans l'hôtel. Et yo gagne toujours un pourcentage qui vini en tourisme humanitaire. Ça veut dire que pral wè que avion yo gagne plusieurs étrangers là-dedans. Le plus souvent, c'est des jeunes universitaires qui allaient dans des provinces, mais qui pendant yo là tout, yo profite de attraction touristique yo. Yo profite aller dans l'anti restaurant. Et c'est là que le ministère là et a mette tout un travail au niveau de l'aéroport pour yo capable informer leur sortie, bah yo des brochures sur Haïti et dire mais il y a des côtés si nous prenons les tigouaves mais côté nous calé nous cal cocoyer donc informer yo pendant yo là et convertir et c'est ça rôle nous convertir en des visiteurs l'an prochain voyage yo. Donc bah yo des informations sur l'hôtel etc etc au niveau de la diaspora parce que c'est là que faut nous renforcer le plus parce que on a regardé que nous gagnons deuxième génération de descendants de la diaspora donc jeunes professionnels qui nécessairement pas venu en Haïti qui pas fait en Haïti ou qui pas jamais allé en Haïti et gain pile jeunes universitaires tout haïtiens qui voulaient retourner la caillou pour y aller visiter par exemple la citadelle Henri donc gain un grand marché là pour nous ca vraiment développer à travers l'université nous commencer faire nous commencer prendre contact avec eux pour yo ca retourner dans pays pendant groupe et pendant spring break donc le grand travail que le ministère du tourisme et il était pour le faire c'est pour ca convertir parce que du que avion rempli. C'est vrai, avion rempli leur apprentre en Haïti, mais c'est qualité moun ki vini yo, moun ki vini yo faut nous ta convertir pour yo plus des moun ki vini comme loisir, mais pour yo vini comme loisir, nous besoin des forfaits touristiques. Donc faut travailler avec l'hôtel yo, faut donc c'est ça que et Patrick qui c'est grand défi hein et c'est grand travail que n'a fait, c'est mettre en place une offre. Ce qu'on appelle le door-to-door package, c'est-à-dire qu'on arrive à l'aéroport, on vient chercher ou sentir en toute sécurité, ou aller dans le site, ou aller dans l'hôtel pour retourner à l'aéroport. Donc, c'est ça que nous avons mis en place et je pense que nous avons des résultats positifs, mais il faut plus de monde qui achète forfait. Et parmi ça, il y a un go relief dans le prix billet en Haïti, surtout dans le summertime, surtout dans la période de fin d'année qui est très élevée.
Tout à fait. Effectivement, moi, toujours dit le même, pas malheureusement aucune incidence au niveau de prix billet. Mais généralement, on dit comme ça que cette taxe-là, qui est très élevée en Haïti, fait prix billet d'avion aussi élevé. Négatif, taxe haïtienne aussi, à même niveau que taxe dominicaine et taxe en région. Ça n'a pas été goût, mais pour lui, m'a dit sincèrement, parce que nous avons besoin de créer, ça aurait les en interconnexion régionale au niveau de la Caraïbe, ou pas, il y a un petit genre difficile pour payer même taxe. Et on trajet Port-au-Prince, République Dominicaine et Port-au-Prince Santo Domingo, qui 30 minutes, et pour payer même taxe où tu as fait Port-au-Prince, Paris, et en passant par Pointe-à-Pitre. Mm-hmm. Donc, c'est là qu'on a passé le travail pour nous, pour les vols régionaux, pour les vols de 19 places, de 38 places, comment nous avons baissé la taxe et pour nous permettre que prix ticket, on pas qu'à imaginer aujourd'hui on paye $380 pour aller en Dominicaine. Donc il pas permettre on forfait de multidestination que n'a essayé de mettre en place tout. Mais au niveau de taxio et me ca voyer rapport là pour parce que même t'es fait et devoir de maison pour nous regarder différentes taxes qui viennent payer nous à même niveau que Dominicaine au niveau de taxes et avion. Voilà. N'a cause avec madame Stéphanie Balmire-Vidouin qui est ministre du tourisme en Haïti. Après la pause, on a retourné avec vous.